Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Je vous salue, chers auditeurs. Aujourd'hui, 10 janvier, la Sainte Église universelle célèbre Saint Miltiade, pape, en 314. Son histoire peut être pour nous aujourd'hui une source d'inspiration pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutons-la. Cet illustre pontife que Saint Augustin appelle le véritable enfant de la paix de Jésus-Christ, le digne père du peuple chrétien, monta sur le Saint-Siège en 311, pendant que le feu de la persécution était encore dans toute son activité. C'est pourquoi il est honoré de la qualité de martyr, comme plusieurs de ses prédécesseurs, qui, n'ayant pas, il est vrai, répandu leur sang pour le nom de Jésus-Christ, ont cependant eu part à la gloire des martyrs, à cause des grandes traverses et persécutions qu'ils eurent à souffrir avec toute l'Église de leur temps. Mais le pontificat de Saint Miltiade présente ceci de remarquable, qu'ayant eu ses racines dans la tempête, il s'est épanoui dans la paix. Dès l'année 312, Constantin rendit la liberté aux Églises, et Miltiade eut la gloire de voir s'ouvrir l'ère de la prospérité temporelle des enfants de Dieu. Maintenant, son nom brille au cycle liturgique et nous annonce la paix qui bientôt va descendre du ciel. Daignez donc, ô Père du peuple chrétien, solliciter pour nous le Prince de la paix, afin que, venant en nous, il détruise toute agitation, calme toute résistance et règne en maître sur nos cœurs, sur nos esprits et sur nos sens. Demandez aussi la paix pour la Sainte Église de Jésus-Christ, dont vous fûtes l'époux et qui a gardé votre mémoire jusqu'à aujourd'hui. Conduisez-la toujours du haut du ciel et écoutez les vœux qu'elle vous adresse. Saint Miltiade, priez pour nous. À vous tous qui portez le précieux et saint nom Miltiade ou un de ses corollaires, nous vous souhaitons une bonne fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.